Bonsoir à toutes et à tous, et revenu sur du gameplay Tarkov depuis le temps, depuis le temps. Et puis j'ai vu que ça avait la hype, etc. Donc j'ai dit, oh là là là, il va y avoir plein de petits noobards qui vont commencer à faire des vidéos et des lives en disant que des conneries. Donc du coup, me revoilà. Et avec un nouveau concept, je pars Bambi sur toutes les maps. Donc ça va être une nouvelle série de gameplay que je vais faire. Le but simple, ça va être de se trouver un peu de stuff, de tuer un peu de gens, etc. Des scavs, et puis après de s'extraire en fait. On part du principe qu'on part cochon, enfin qu'on part nu et qu'on revient cochon. On va essayer donc de se faire une petite game. On dirait un peu une vidéo de loot sur Interchange, hein, mais ça ressemble un peu, c'est vrai. Ah, voilà, le painkiller. Ça c'est cool ça. Ça c'est important. Ok, scav à gauche, je l'ai vu. Maintenant, si j'ai un scav à gauche, il faut juste que je trouve une arme ici. Ah. Ah, 10 boules là-haut. Niveau balle, par contre. Niveau viseur, ça va être compliqué. Niveau balle, 5, à peu près. Ah ouais. Ah, c'est des conditions extrêmes, là. Passe-moi en rire, passe-moi en rire, hein. Zéro. Vite, c'est peut-être trouver une deuxième. Ебашки, парика! Ok, fusil à pompe, c'est pas mal. Par chance, on a une deuxième arme. Bonne, bonne, sucre! Ok. Ça va attirer d'autres scaves, ça. Ah! Ah! Paniqué, j'appuie sur toutes les touches. Ouais, ça va, il est allongé. J'ai l'impression qu'il a l'air, il est allongé. Un peu compliqué. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer le safe. Ah, attends, 5,56. Et ça, c'est quoi ça? 5,45. En termes de balles, on n'est pas super. Давай, мочи! Oh putain, l'estomac, ces bâtards. Pas cool. J'ai plus de balles. On va prendre ça, anticipe. Sais pas où il est, j'arrive pas à le voir. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer par là. Un chargeur plein. J'essaie de le contourner. On va faire un peu le fou. En fait, j'aurais pu aller là-bas, là, tout au fond, il y avait encore 4 caisses d'armes. Mais bon, c'est pas le but. Ah, une arme. Encore une adar. Pas trop mal. Là, ça va être compliqué. Retomber sur. On va la jouer safe, on va la jouer safe. Oui, ils vont venir. On va y arriver, on va trouver un truc à boire. Voilà, un truc à boire. Mais il en faut plus encore.
On fait retarder l'inévitable. Bon, de toute façon, on a bien fight déjà. Je vais juste faire un tour là où j'avais envie de faire un tour. Là où... Ouais, en fait, ouais. Je pense qu'on va s'arrêter là. Il me lance une grenade, je suis mort. Je sais pas si c'est qui là. Si c'est qui là, on est mort. C'est l'air d'être qui là, en tout cas. Pas de grenade. Qu'est-ce que c'est? C'est qui là? C'est qui? Tant pis, je voulais aller looter un peu. J'ai envie de le faire d'ailleurs, mais j'ai ouais, mais je tourne pas de nouveau. Vas-y, on va prendre des risques, c'est pas grave. On prend des risques. J'ai envie de faire un truc. Puis on n'a pas d'eau. Voilà, j'ai réussi. Par contre, il faut de l'eau. Il faut boire. J'ai raté un peu tout ce qui ne sert à rien. Voilà, ça même, on peut même le jarter. Maintenant qu'on est assez confortable en termes de machin, on va prendre un painkiller. On va se sentir un peu mieux. On va pas durer longtemps. De toute façon, là, on va juste looter les choses qui peuvent nous rapporter gros. Hein. Le but, ce serait vraiment de ressortir gros comme un cochon. Donc là apparemment soit ça a été looté, soit on n'a vraiment pas de chance. Il n'y a rien du tout en termes de boisson. D'habitude c'est blindé. J'ai blindé mais là a rien. La merde de la merde. On va prendre ça. On va prendre ça. Voilà. Super, ça j'en ai besoin. J'ai besoin pour ma quête. Tac. Une grosse merde, voilà. Il y a quelqu'un qui est venu loot, j'y crois pas. Normalement, il y a plus de choses que ça. Ah putain, on est passé devant ça. Regardez-moi ça. Voilà, ça va être compliqué là. Ouais. Ça, tac, tac. Là, il faut sortir vivant, clairement. Il faut sortir vivant. Enfin, dernier magasin. Oh putain, c'est magique. Ce qui est en train de se passer, c'est magique. J'ai même envie de... C'est trop risqué là, il faut que je prenne les deux cartes graphiques. Pour ceux qui ont défendu ma Bitcoin, ça c'est le katana d'Ali Baba, hein, clairement. On va virer ça, on va virer ça. Je vire peut-être des trucs qui avaient plus de valeur que ce que je prends, mais là maintenant c'est la course contre la montre, étant donné qu'on n'arrive pas à trouver un truc à boire. Ah, ça c'est bien ça, 18 000. Non, non, ça c'est bien ça. Ça c'est 18 000. Ah oh putain, encore un plug. Voilà. J'ai pas fait le gros tour là. Normalement, faut regarder les trucs à plat, etc. Là. Et là, je peux pas me permettre de le faire. Ah. Toute place. On va virer ça. Allez, on va pas faire le malin. On se soigne. Et on se casse.
On est chanceux, on n'a pas croisé de joueur. Ça aurait pu arriver. Je prends le dernier painkiller pour avoir la vue stable. Et là, on a deux cartes graphiques. On a une batterie. Donc la batterie, je vais pas pouvoir la revendre parce que j'en ai besoin pour une quête. Et carte graphique, magique. Mon personnage, il crève, va en train de crever. Un minute terme de vie. En termes de vie, je suis pas bien. Pas bien. C'est vraiment rare. Hein. C'est extrêmement rare qu'il n'y ait pas de boisson. À peut-être que je regarde pas dans les bons endroits. Mais en tout cas, c'est rare. Et même, ça va même. En fait, ça, si ça arrive uniquement quand, quand on en a besoin. Faut pas faire le malin. Voilà, c'était juste pour le délire. On va pas aller le chercher. Il semblait qu'il y avait des. C'est pas des trucs ici là. Voilà. Je commence à être déshydraté assez sévère. Je prends des risques à total. Hein. Là, je suis en plein milieu. Il se peut que je me prenne une balle de n'importe qui. Mais tant pis. Rien pour boire, rien du tout. Là, on va se soigner. Et bah, il va forcément crever mon personnage. Ah, je regarde. Enfin, je visualise que comme ça si je meurs je pourrais vous dire à peu près combien j'aurais eu sur moi là. Ah je suis mal. C'est le début de la game en plus. Elle a pas été sympa avec moi mec. Clairement. Il veut même plus courir. Putain, je suis à. Je suis pas loin de l'extraction, s'il te plaît. Ah, vas-y. Laisse-moi le vivre. Allez, un peu d'aide d'Anony là. Les bruits des tirs, normalement, ça fait vibrer le cœur, non? Shit! I'm fucking hit! C'est bon. Allez, encore 5 secondes à tenir. Ne t'endors pas. 3, 2, 1. Tac. Alors, voyons voir un peu ce que j'ai appris. La charge. Pas ça. Reste toujours pareil. Et prends ton temps le jeu. Pas comme si je voulais faire un sans cut. Tac 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 tac. Alors déjà on va les moi je les vends les graphic cards pour l'instant, je les vends les cartes graphiques. Je crois qu'elles étaient à 220 000 ce matin, dans 230 000, donc on va les mettre à tac. On va les mettre à un prix très sympa de 220 000. Voilà. La batterie qu'on va pas vendre, mais juste pour voir combien ça coûte, à peu près combien théoriquement je me serais fait. C'est tout 45 000, d'accord. Ah, mais c'est, putain, ça, c'était trois fois plus cher à l'époque. Ça, c'est quoi ça? Ça, ça coûte pas cher, ok. Donc voilà, je me fais à peu près une idée. Plex, alors Plex, je sais pas du tout la valeur, ok, ça coûte que dalle. Ça, je sais que c'est. Je sais, on va vendre la Thérapie directement. Thérapie 18 000. Ça pareil, les plugs, les garde. Tac. La corde, ça coûte une petite fortune, je crois. C'est bien baissé. En tout cas, il y a du trad. Hein. 29, 30 000, ouais, ça a un peu baissé. C'était à 40 000 ce matin. On va le mettre à 28, on est sympa. Voilà, tac. Puis voilà, après, il y a les armes. Les armes que je vais vendre, là, les trois, là. Enfin, j'en avais que deux. Je vais rendre ça, tac.
Batterie 33 000. Ouais, après c'est un peu tout, hein. Après il y a les jeux, il y a le sage, ça se revend 5 000, mais j'ai pas envie de le revendre 5 000, ça aussi. Mais on va tout revendre là, tac, voilà. Est-ce que j'ai vendu les cartes graphiques? Oui. Tac, voilà. Donc en gros, grosso merdo là, avec la chance que j'ai eue, là j'étais à Mika, je me suis fait à peu près, allez, on va dire à peu près 500 000 roubles. Voilà. Donc on en est à 26 minutes et 27 secondes de vidéo. Et en partant tout nu, j'ai réussi, avec la chance, bien sûr, la chance, le skill, et non, surtout la chance, de me faire à peu près, grosso merdo, 500 000 roubles. Donc voilà, c'est pas trop mal. Donc pour ceux qui sont un peu dans la hesse, vous savez que sur Interchange, si vous faites un peu ce que je viens de faire, peut-être même en mieux, si vous trouvez, après, ça dépend ce que vous trouvez sur l'escave, vous pouvez faire à peu près 500 000. Voilà. Donc je vous laisse sur ce. Voilà, c'est une petite vidéo comme ça, peut-être 89. N'hésitez pas à participer au jeu que vous avez vu au début de la vidéo. Commentaire, pouce bleu, abonnez-vous, très important pour la suite et puis pour la motivation. Et on se dit à la prochaine. Bye bye!